Savoir évaluer la distance d'arrêt du véhicule est très important. Cette distance est égale à celle parcourue lors du temps de réaction plus la distance de freinage. Voici un moyen rapide de calculer votre distance d'arrêt en fonction de la vitesse et des conditions climatiques. Sur sol sec, multipliez le chiffre des dizaines de la vitesse par lui-même, soit 25 mètres à 50 km/h. En cas de pluie, multipliez la distance d'arrêt sur sol sec par 1,5, soit 38 mètres, toujours pour une vitesse de 50 km/h. Autre notion importante, la distance de sécurité. Il s'agit de l'intervalle nécessaire pour éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt imprévu du véhicule situé devant vous. Cet intervalle correspond à la distance parcourue par le véhicule en 2 secondes. Plus la vitesse est élevée, plus la distance de sécurité à respecter sera grande. 34 mètres à 60 km/h, 50 mètres à 90 km/h et 73 mètres à 130 km/h.